ça c'est exactement ce que je voulais, Alex. Rentrez chez vous auprès de votre famille. Surtout, ne travaillez pas trop tard. Monsieur Williams, si vous voulez bien regarder ces chiffres, nous avons monté un rapport extrêmement complet. Appelez-moi Roger. Roger. À vrai dire, je suis pas sûr. Ça fait beaucoup d'informations. Eh bien, nous avons interrogé en tout 37 employés localisés dans différents bureaux régionaux et nous avons pris soin d'analyser leurs méthodes, leur processus de gestion des flux et nous avons identifié quelques insuffisances et, disons, petits problèmes. Je vous recommande de jeter un œil à la page 12. Oh, je sais pas. Je vais rater mon avion. Je crois que vous devriez prendre le temps de réfléchir plus sérieusement à notre proposition. Je sais que ce genre de décision peut être difficile à prendre. Eh bien, je comptais plutôt m'occuper de ça avant les vacances pour que ça ne me gâche pas le début d'année. Mais vous avez peut-être raison. Je suis d'accord. Vous savez, en fait, parfois, tout ce qu'il nous faut, c'est un peu de temps pour remettre les choses en perspective. C'est d'accord. Nous ferons le point en début d'année. En tout cas, merci pour tout. Oh, merci c'est à vous. C'est la moindre des choses. Passez de bonnes vacances. Merci. Bon, eh bien, je peux encore être à l'heure à l'aéroport, ça va le faire. Je te fais confiance, mais je te conseille quand même de te dépêcher. Tu sais combien de temps j'ai mis une fois pour faire le trajet du centre de Manhattan à mon siège d'avion? Moins de 30 minutes. Oui, mais ce n'était pas Noël. D'ailleurs, n'oublie pas, le patron veut voir nos propositions pour Biltech à la rentrée. Tu me connais, je serai déjà dessus dans l'avion. Allez, file et passe de joyeuses fêtes. Oh, et joyeux Noël à ta femme de ma part. Salut, je viens de sortir de ma réunion et je suis en route pour l'aéroport. Je devrais y arriver à temps. Tu viens toujours me chercher? Bien sûr, oui. Je me réjouis de te voir. Il est magnifique. Tu es où? Je suis passée chez papa et maman pour emprunter l'une des nombreuses pochettes cadeaux que maman collectionne depuis des années. À qui tu parles? C'est Émilie. Je suis justement en train de préparer tes biscuits préférés. T'as entendu? Oui, c'est Émilie. Embrasse-la et dis-lui qu'elle nous manque. Ils prennent soin de toi? Ah oui. C'est à peine si j'ai le droit de mettre la table. Et tu peux compter sur moi pour la naissance, d'accord? Je ne manquerai l'événement pour rien au monde. Merci. Je sais à quel point ça compte pour toi. Et ça ne te gêne pas de venir toute seule? Non, ça va. Ça fait 10 mois qu'on s'est séparés et en plus, ça va me laisser plus de temps pour me consacrer à toi, maman et papa. Oui, vous me manquez tous les trois. Alors rentre à la maison, vite. On se réjouit de te voir. Génial, la météo ne s'arrange pas. Bon, je vais devoir te laisser parce que mon chauffeur arrive dans... Wow, avant que j'aie le temps de dire ouf en fait. Je dois y aller. D'accord, à plus tard. Oh, désolée. Je suis désolée. Et voilà. Merci. Joyeux Noël. Merci. Au revoir. Oh. Tenez. Non, merci. C'est gentil. Dites, excusez-moi, est-ce que bien je peux passer? Je dois... C'est ma voiture! C'est mon chauffeur! Non! Oh non, non, non! Attention! Non, 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 non! Attention! Je suis vraiment désolé. Tout va bien? Oui. Je vais vous aider. J'arriverai jamais à temps pour mon vol. Oh, je suis vraiment désolé pour tout ça. C'est mon chauffeur là et je vais justement à l'aéroport. Je vais vous y conduire, c'est la moindre des choses. Oui, ce serait très gentil à vous, ça me sauverait la vie, mais vous êtes sûr? Oui, je m'appelle Simon. Émilie. Oh,
Encore merci. Désolée d'avoir été un peu sèche tout à l'heure, mais j'ai eu une dure journée et je suis en retard pour mon vol. Oh, aucun problème, je suis assez pressé, moi aussi. Où vous allez? J'ai passé la journée en réunion, la plus longue de ma vie. Mais j'allais quand même pas dire à mon client, j'ai un avion à prendre là, enfin, vous voyez. Le travail d'abord, pas vrai? Et vous, alors, vous faites quoi? Quoi? Votre travail, ce que vous faites. Désolée, j'essaie juste de prévenir ma famille. Désolée. Je le fais pas exprès, mais j'ai tendance à, disons, à parler un peu trop. Moulin à parole, c'est comme ça que mes amis m'appellent. Vous m'avez parlé? Oh non, non, non. Faites ce que vous avez à faire. Il faut que je travaille un peu. Voilà. Juste avant les fêtes de fin d'année. Oui, on n'a pas une minute de répit. Mais si je finis tout ça maintenant, je pourrai enfin me détendre une fois chez mes parents. Oui, ça se tient. Et vous? Dure journée. Merci encore, honnêtement. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Joyeux Noël. Oui, merci. Joyeux Noël. Allez. Oh, attendez, je vais vous aider avec votre valise. Vous avez été sélectionné pour une fouille intégrale. Est-ce bien votre bagage? L'avez-vous fait vous-même? Non, mais je rêve, là. Écoutez, je suis désolée. C'est votre travail, je sais bien, mais je dois vraiment embarquer et je dois absolument rentrer chez moi. Alors si... Oui, comme nous tous. D'accord. Ah, ça c'est... D'accord, je vais juste... Voilà. Non. C'est une tradition familiale, c'est pour Noël. C'est... confortable. Je peux y aller? Super. Hein? Passez de bonnes fêtes. Vous avez de la chance, nous allions fermer la porte. Oh, je suis désolée, madame. Comme vous n'étiez pas là 20 minutes avant l'embarquement, nous avons donné votre siège. Vous rigolez? Enfin, je veux dire, je suis là maintenant. Peut-être pourriez-vous faire quelque chose? Eh bien, je ne peux pas vous rendre votre place côté hublot, mais j'ai peut-être quelque chose pour vous en réserve. Vers l'issue de secours, ça vous irait? Vous ne pouvez rien faire d'autre? Madame... Monroe. Madame Monroe. En fait, je suis l'une de vos clientes premium, alors... Et nous vous remercions pour votre fidélité. Malheureusement, tout le monde veut rentrer chez soi à cette période de l'année. Alors, je m'excuse, mais c'est tout ce que je peux faire. Oui, d'accord. Je vous remercie. Et puis, le plus important, c'est que je rentre chez moi. Le monde est petit. Émilie, c'est ça? Oh, oui. Je suis vraiment désolée, vous allez me trouver horrible, mais j'ai oublié votre nom. Simon. Ah oui, Simon, voilà, c'est ça, Simon. Est-ce que tout va bien? Oui, je crois. Enfin, je me suis fait piquer mon siège, parce que j'étais coincée à la sécurité et il ne reste que des places au milieu. Ah, je vois, c'est embêtant. Vous savez, moi, j'ai un siège côté allée, donc... Oh, excusez-moi, madame. Arrêtez ça, non, c'est... Sans moi, vous seriez arrivée à l'heure, donc... J'insiste. C'est vraiment adorable. Merci. Voilà pour vous. Merci. Joyeux Noël. Et bon voyage à vous. Merci. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Bon courage. Bon, alors, pour vous remercier, je vous paie un verre et il fait servir à votre siège. Vendu. Joyeuses fêtes à toutes et à tous, ici votre commandant de bord. Je vous informe qu'une tempête de neige se dirige actuellement droit sur nous. Tous les vols à destination de Seattle sont donc déviés dans le Montana. Espérons que les conditions météorologiques s'améliorent pour que nous puissions rapidement vous mener à destination. Ah,
Salut. Salut. Je peux? Dans l'allée? Ou au milieu? Milieu, ça ira. Oui. Bon, mieux vaut prévenir que guérir, non? C'est pas la première fois que ça m'arrive et je suis sûre que ce ne sera pas la dernière. Je suis sûre que ça va se calmer. Je ne saurais même pas vous dire combien de fois j'ai pris l'avion cette année. J'ai vu absolument tous les films disponibles à bord. Et c'est pas une façon de parler, hein, je suis sérieux. Ah, je suis désolé. J'ai recommencé à faire le moulin à parole et je me suis pas intéressé à vous. Oui. Vous faites quoi? Ah, juste de la paperasse. Je suis conseillère en management. Et là, en fait, je travaille sur une proposition pour un client important, ah, donc... Oui. Et vous rentrez voir votre famille pour les fêtes, c'est bien ça? Oui. Comme vous, je passe ma vie sur la route, alors. Célébrer Noël avec ma famille représente beaucoup pour moi. Oui. C'est très touchant. Et je vois très bien ce que vous voulez dire. J'arrive même plus à savoir si j'en suis à mon 15e ou 16e jour de voyage. Effectivement, c'est long. D'où une valise si grosse. Oui. Oui, c'est ça. Et vous, alors? Combien de jours? 8. Parfois, je suis même plus sûre de savoir où je suis. Ouais. Oh, je connais ça. Même qu'une fois, je retournais à ma chambre d'hôtel après une longue réunion et je me suis aperçu que j'avais complètement oublié le numéro. J'ai dû redescendre demander à l'accueil. Enfin... Laissez-moi deviner. Vous êtes membre Titanium de la chaîne d'hôtel Price. Comment vous le savez? Je n'en savais rien. J'ai deviné, c'est tout. Par rapport à votre travail, certains traits de votre personnalité, je trouvais ça logique. Et à vrai dire, ça fait partie de mon travail. Être un bon vendeur, c'est savoir cerner les gens. Eh bien, je suis impressionnée, je dois dire. Et je parie... Écoutez... Je suis désolée, je ne voudrais pas être impolie, mais j'ai eu une longue journée et j'apprécierais pouvoir, disons, mettre mes écouteurs, me détendre avec un peu de musique et essayer de finir ça. Oui, bien sûr. Super. Je vis exactement la même chose, alors je vous rassure, je vous comprends. Super, ouais. Merci beaucoup. De rien. Voilà. Je suis désolée, je... Oh. C'est l'effet que je fais habituellement aux femmes. Non, j'ai juste... J'ai fait un rêve très bizarre. Ou peut-être un cauchemar, je sais pas. Ici, vous êtes en sécurité. Rien ne peut plus vous arriver. Oui. À l'attention de tous les passagers du vol 645 à destination de Seattle. Nous espérions vous ramener chez vous ce soir, mais je viens d'apprendre que l'atterrissage avait été formellement interdit jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura donc pas d'autre vol prévu ce soir. Nous sommes désolés. Bon, du coup, des projets pour cette soirée surprise au milieu de nulle part? Eh bien, pour être honnête, je me vois déjà à l'hôtel, sous une bonne douche chaude, à prier pour avoir un vol demain à la première heure. D'accord. Voilà. Bonne soirée à vous. Oh, et Simon, ce fut un plaisir. Si on ne se revoit pas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Au revoir. Et joyeux Noël. Ah! Attendez, je vais vous aider. Vous me suivez? Oh, tiens. Je plaisantais, mais j'avais quand même vu juste pour le Price. Oui, ils sont souvent proches de l'aéroport. Alors... Je trouve ça presque dommage qu'on ne reste qu'une soirée. J'ai entendu dire que c'était une ville géniale et que la viande ici était à tomber. Vous aimez la viande, vous? Vous voyez toujours le positif dans chaque situation, c'est ça? Pour être honnête, tout ce que je veux, c'est une douche chaude et aller dormir. Vous voulez un coup de main? Non, non, non. Je vais m'en sortir, mais merci. D'accord, salut. Allez, c'est parti.
Bonsoir. J'ai réservé une chambre au nom d'Emily Nichols. Tout de suite, madame. Votre chambre est prête. J'aurai simplement besoin d'une carte de crédit et d'une pièce d'identité en cas d'incident. Oui, juste une petite minute. Non, pas ça. Oh, pas maintenant. Il y a un problème ? Je ne retrouve pas mon portefeuille. Il se trouve que je l'ai égaré. Il y a peut-être un autre moyen de... Oh, attendez. J'ai ma carte de fidélité enregistrée sur l'appli, donc ça marche, non ? Je suis désolée, madame. Sans ces deux documents, je ne peux pas vous autoriser l'accès. Avec la tempête dehors, beaucoup de gens vont avoir besoin d'une chambre, et c'est la dernière, donc je vais devoir la libérer. Mais j'ai besoin de cette chambre. Une fois de plus, je m'en excuse, mais veuillez à présent vous écarter. Bonsoir, Jamie. Tout se passe bien ? Ça va mieux maintenant. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien, avec ce terrible orage dehors, il se trouve que mon vol a été annulé. Je suis coincé. Je n'ai pas de chambre pour la nuit. Et j'espérais que vous pourriez peut-être m'aider. On dirait que c'est votre jour de chance. Une chambre vient justement de se libérer. Et elle est bien plus confortable que nos chambres standards. Voyez-vous ça ? J'ai l'impression d'être le Père Noël ce soir. Et je vais même vous la faire au prix d'une chambre standard. Joyeux Noël. Mais enfin, c'est ma chambre. Navré, madame, j'ai dû la libérer. Je suis perdu, là. J'ai sûrement oublié mon portefeuille à l'aéroport quand j'ai dû passer le contrôle de sécurité. Et maintenant, il refuse de me donner ma chambre parce que j'ai pas mes papiers sur moi. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir l'aider ? Je suis désolée, monsieur, mais sans carte de crédit et pièce d'identité... Mais je me porte garant. Il se trouve qu'elle est membre Titanium, vous voyez. Enfin, voilà. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, monsieur, mais... C'est la politique de la maison. La politique de la maison. Bon, dans ce cas, moi j'ai une carte de crédit. On peut partager la chambre. Oh, je... Non, je sais pas... Correct. Et vous allez faire quoi ? Passer la nuit à l'aéroport ? Vous me sauvez la vie, je vous rembourserai, promis. Et d'ailleurs, je vais vous faire un virement. On verra ça plus tard. Ne vous en faites pas pour ça. La journée n'a pas été facile, donc on va aller tranquillement se reposer et on réglera tout ça plus tard. Et voilà. Et félicitations. Merci beaucoup. Pourquoi ? Oh, je croyais que vous... Ma colombe, tu avais raison. J'adore. Oh, bien sûr. Chérie, tu as du liquide sur toi ? Il n'y a qu'un lit de place ? Ben oui. C'est notre lune de miel. Je plaisante, c'est tout. Je prends le divan. Mais non, c'est ridicule. C'est vous qui avez payé la chambre, donc... Écoutez, je ne vous laisserai pas dormir sur le canapé. Ça me gêne. Vous savez, Emily, ma mère m'a plutôt bien élevée, donc... Elle me tuerait si je vous laissais pas le lit. Croyez-moi. Vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr. D'accord, merci. Et merci à votre mère. Oui. Dites, vous avez besoin de la salle de bain avant que j'y aille ? J'ai mes habitudes le soir, ça risque de prendre un peu de temps. Oui, merci beaucoup. Une seconde. D'accord. Merci. Bon, alors... Salut. Donc ? Tu es dans une suite avec un mec canon. Il est où le problème ? Tu es toujours en train de te plaindre que tu ne rencontres jamais personne. C'est peut-être l'univers qui t'envoie un signe. C'est vrai qu'il est très beau, mais c'est pas du tout la question. Il n'a fait que parler à l'aéroport et...
dans le taxi et dans la navette. Mais il est marié? Il a quelqu'un? Qu'est-ce que j'en sais? T'as regardé s'il avait une alliance? Pourquoi je ferais ça? Emily, c'est ce que je faisais quand j'étais célibataire. C'est la première chose à savoir. Tu devrais essayer de t'intéresser un peu plus aux gens, tu sais. Oh, je te laisse, y reviens. D'accord. N'oublie pas l'alliance et j'exige une photo comme preuve. Je vais essayer de prendre le premier vol disponible demain matin. Dès que j'en sais plus, je t'envoie un message. D'accord? Salut. D'accord, salut. Et voilà, c'est à vous. Ah, vous venez de sourire, là? Quoi? Non. Enfin, si, mais... Je suis contente d'aller prendre une douche. Ah, ah. D'accord. La réception, je crois qu'il n'y a pas d'eau chaude. D'accord. Pardon, vraiment désolée, je savais pas que vous étiez en train de... J'ai cru que vous alliez mettre plus de temps, alors j'ai pas pu résister. Vous parliez de la réception? Oh, en fait, c'est bon, tout va bien. Pourquoi vous riez? Ah, c'est juste que je suis ravie que vous soyez aussi à l'aise avec moi. Vous dites ça pour mon peignoir? Eh bien, en fait, c'est parce que l'air de l'avion, ça sèche la peau et ça... Eh bien, ça m'aide à la garder bien hydratée. Vous devriez essayer. Voilà. Oui. On a tous nos rituels. Moi, par exemple, je fais une centaine de pompes et 200 abdos avant d'aller me coucher. Oui, d'accord. 200 abdos. Je sais pas vous, mais je suis gourmande et j'ai repéré ces petites choses. Vous en voulez? C'est moi qui régale. Ah oui, bien sûr, mais techniquement, c'est ma carte qu'on utilise, donc c'est pour moi. Désolée, vous avez été si gentille avec moi alors que j'ai été... légèrement... Disons indifférente. Je rigole. Enfin, peut-être juste un peu. Mais c'était une journée longue, stressante, et je vous pardonne. Ouh! Ça a franchement l'air délicieux. Il n'y a pas photo. Chocolat pour moi. Oh, waouh. Jolie présentation. Question de respect. Je vois que vous aimez les mêmes choses que moi. Où c'est vous qui aimait les mêmes choses que moi. Santé. Santé. C'est moi ou votre téléphone a sonné tout à l'heure? C'était peut-être l'aéroport pour votre portefeuille? Oui, j'ai essayé d'avoir les objets trouvés, mais j'ai eu que la messagerie, alors je vais réessayer demain. Ne vous en faites pas, ils vont bien le retrouver. Avec tous ces trajets, c'était presque inévitable, je dirais. Donc deux solutions, se mettre en colère ou simplement accepter. Les choses tournent parfois à notre faveur. Ça vous arrive de ne pas être optimiste? Vous avez sûrement raison. D'accord, on va recommencer. Je m'appelle Émilie. Émilie, moi c'est Simon. Enchantée, Émilie. Et vous avez des projets pour les fêtes? En fait, je suis fils unique. Et mes parents ne sont plus là, donc en général... Je passe les fêtes avec de vieux amis. Disons qu'on fait beaucoup de choses tous ensemble. Et on fête Noël dans différentes villes. Las Vegas, New York, San Francisco. Oh, désolée pour vos parents. Mais vos amis ont l'air sympas. Enfin, la famille, ça peut prendre toutes sortes de formes. C'est peut-être l'aéroport qui vous recontacte? Ce serait super qu'il les retrouvé.
c'est que le travail. Vous savez quoi? Il faut que j'apprenne à faire une pause de temps en temps. Et voilà. Eh bien, c'est important de trouver le bon équilibre, oui. Oui, c'est pas que j'aime pas mon travail. Je l'adore, au contraire, mais avec tous ces voyages, il m'arrive de me sentir un peu seule. Oui. Désolée. C'est votre petite amie? Petite amie? Oh, j'étais persuadée que vous aviez quelqu'un vu comme vous. Vous avez toujours le sourire aux lèvres quand vous répondez. Non, non, j'aimerais bien, mais la plupart de mes relations amoureuses n'ont duré que quelques mois. Ça démarre toujours très bien, mais ensuite, je dois forcément repartir, et quand je rentre, c'est comme s'il fallait tout reprendre à zéro, et je me rends compte que les hommes ont du mal avec ça. Oui. Et toute cette tirade pour dire que si vous me voyez sourire bêtement devant mon téléphone, c'est probablement que je parle à ma sœur. En fait, elle va bientôt accoucher de son premier enfant, et je ne manquerai ça pour rien au monde. Enfin. Bref. Et vous alors? Enfin, j'ai remarqué que vous ne portiez pas d'alliance, donc vous n'êtes pas mariée? Ah oui, vous avez vérifié alors? Oh non, c'est. Non, je n'ai pas cherché volontairement à savoir. Je l'ai juste remarqué, c'est tout, voilà. Et donc vous. Enfin bref, vous êtes en train d'essayer d'éviter ma question là. Je me disais que vous aviez peut-être quelqu'un d'important dans votre vie. Si c'était le cas, je ne passerais pas les fêtes avec mes amis. J'avais une petite amie à un moment, et quand j'ai quitté mon ancien travail, j'étais tout le temps chez moi. C'est comme si, je sais pas, comme si la magie s'était envolée. Je vois, ça arrive, oui. Je sais pas ce qui est le pire, être trop à la maison ou trop absent. Moi, je crois qu'avec la bonne personne, peu importe. Bref. Trinquons à tous ces oubliés de la route, et je nous souhaite surtout de trouver la bonne personne qui nous appréciera, nous et nos vies farfelues. Bien dit. Ce sourire, par contre, il n'est pas pour votre sœur. Non, j'ai souri. Non, je... Enfin bref, je crois que je vais... Allez me mettre au lit, je me sens plutôt fatiguée. Et on doit se lever de bonne heure, alors. D'accord. Espérons simplement que le temps s'arrange et qu'on puisse partir d'ici. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne suis pas vraiment fatiguée. Ça vous dérange si je lis un peu? Oh, allez-y, pas de problème. La lumière ne vous gêne pas? Non, ça va. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Oh, excusez-moi, promis, je me tais. D'accord, génial. Bonne nuit. Ah, pardon, je suis désolé. Je vous avais dit que je me tairais. Et c'est pas le cas. Mais c'est ce bouquin, il arrange, je vous assure. Dites, ça ne vous dérange pas? Parce que des fois, j'ai du mal à m'endormir sans ça. Oh non, allez-y, je vous en prie. Ça me gêne pas. Elle a rangé toutes mes affaires et tout a sorti. Le dentifrice avec la brosse à dents, la mousse à raser près du rasoir. J'aurais dû faire ça plus tôt. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Le bébé arrive et j'ai promis à ma sœur d'être là, alors... Oui, mais... Qu'allez-vous faire ? J'en sais rien. J'aviserai à l'aéroport, j'imagine. Dans ce cas, je viens avec vous. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Je vais m'en sortir. Bon, la lune de miel tombe à plat. Voilà. Eh bien, Simon, merci. Je vous remercie pour tout.
Oui, dites-moi ce que je vous dois et je vous rembourse maintenant. Vous voulez mon numéro, c'est ça? Bonne technique. Non, en fait, je veux juste vous rembourser, c'est tout. Je rigolais. D'accord. Parfait. Dites-moi combien je vous dois, je vous paie tout de suite. D'accord, je vous le dirai une fois que j'aurai réglé la chambre. Génial. Bon, il ne me reste qu'à vous dire au revoir. Alors, au revoir. Bon voyage. Et que je ne vous vois pas à l'aéroport. Quoi? Ça voudra dire que vous vous trouvez dans l'avion pour arriver à temps auprès de votre sœur. Oui. Oui, j'espère ne pas vous voir. Bon. Salut. Je ne suis même pas installée, alors laissez-moi un moment. Bien sûr, oui. Désolée. Prenez votre temps. Pour vous. D'accord, vous n'allez jamais croire, la nuit que je viens de passer, oui, il faut que... Oui, je comprends bien. Je m'apprête à voir plein de gens dans la même situation que vous, oui. Je comprends, vous allez devoir changer beaucoup de réservations et... non, on ne va rien changer du tout. Vous avez vu tout le givre qu'il y a dehors? J'ai vu, oui. Je pense qu'aucun avion ne sera en mesure de décoller aujourd'hui. Et si certains y arrivent, seront pleins à craquer. Oui, mais... Je dois rentrer chez moi aujourd'hui, donc si vous pouviez juste... Je comprends bien. Et croyez-moi, j'essaie de vous aider. Si vous voulez rentrer chez vous, là, aujourd'hui, je vous conseille de louer une voiture. Et si j'étais vous, je le ferais tout de suite, parce que c'est ce que je vais dire aux autres passagers. Alors, dépêchez. Bon, eh bien, je vous remercie et bonne fête à vous. Au revoir. Bonjour. Je voudrais louer une voiture. Allez, simple. Vous êtes matinale, à ce que je vois. Eh bien, j'ai cru comprendre qu'aucun avion ne partirait aujourd'hui et je dois absolument rentrer. Voilà. Bien sûr. Madame... Nichols. Emily Nichols. Et j'ai aussi une carte de fidélité sur l'appli, alors tenez, voilà. Oh, d'accord. Avant tout, merci d'être membre de notre programme Titanium Plus. Et je crois d'ailleurs que vous avez de la chance. Puisque j'aurai effectivement une voiture à vous proposer. Génial. Elle est plutôt petite, mais évidemment, ça vaut toujours mieux que notre minibus 15 places et c'est tout ce que j'ai en réserve. Je prends. Je veux juste rentrer chez moi. Je veux dire, la petite voiture, pas le minibus, bien sûr. Cela dit, je l'aurais pris s'il n'y avait eu que ça. Génial. J'aurai besoin de votre carte de crédit et permis de conduire. Oui. Monsieur le loueur de voiture, c'est ça? Spencer. Spencer, oh Spencer. En fait, voilà la situation. Pour faire court, il se trouve que j'ai perdu mon portefeuille hier. Oui, avec mes papiers et ma carte de crédit. J'attends toujours que la sécurité m'appelle pour me dire s'ils l'ont retrouvé. Et en plus de ça, tous les vols d'aujourd'hui ont été annulés. Alors, Spencer, pour tout vous dire, vous êtes mon dernier espoir. J'aimerais passer Noël en famille, donc vous pourriez peut-être, vous savez, m'aider un peu. Qu'en dites-vous, Spencer? Vous savez, j'adorerais vous aider. Même sans carte de crédit, comme vous êtes membre Titanium, on trouverait une solution.
Et pour ce qui est du permis, si vous ne l'avez pas sur vous, on peut s'arranger si vous connaissez le numéro. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vous laisser conduire cette voiture sans votre permis de conduire. Alors... Je vois. Je peux vous louer une voiture. Il faut juste qu'une personne avec un permis valide puisse conduire la voiture pour vous. D'accord. Oh non... Oui, je vois... Attendez, Simon. Psst, Simon, venez. Moi? Oui, vous, vite. Venez, vite. Qu'est-ce qui se passe? Spencer, voici Simon, et il conduira la voiture. Attendez une seconde. Quoi? Bah quoi, je vous rends service, là. Tous les vols sont soit annulés, soit pleins, et Spencer n'a qu'une voiture à louer. Enfin, ça et aussi un van pour une équipe de foot. Ah, alors, vous avez besoin de moi, c'est ça? Eh bien, vous avez un autre moyen d'aller voir vos amis, peut-être? On y gagne tous les deux. Je vous laisserai choisir la musique dans la voiture, si vous voulez. Tout ce que je veux? Oui. C'est d'accord, vendu. Vendu. La tête qu'ils ont fait quand ils ont su qu'il n'y avait plus de voiture, les pauvres. On a eu de la chance. Oui, de la chance. C'est le mot, oui. J'ai rentré le trajet dans le GPS et il nous resterait un peu plus de 8 heures de route. Donc avec un peu de chance, vous serez chez vous avant que votre sœur n'accouche, à nouveau. Ce serait bien, oui. Vous me sauvez la vie, à nouveau. Alors, vous êtes prête à écouter ma playlist de Noël? Oui, je suis prête. On y va. J'ai l'impression que vous appréciez ma musique. Non, ça va. J'avais promis. Je blaguais. Je sais que c'est pas du goût de tout le monde, mais ça n'en reste pas moins une très bonne playlist. Faisons un compromis. La radio? Oui, on pourrait peut-être écouter les infos pour suivre l'évolution du temps, du trafic routier, enfin, si ça vous va. Ouais, super. Coucou, toi. Désolée, fausse alerte. Tu as eu un vol ce matin? Malheureusement, non. Aucun vol disponible, donc on a loué une voiture. On a? Oui, oui, je suis avec Simon. Il fait le trajet avec moi, comme j'ai pas mon permis. Simon? Le type dont tu m'as parlé? Bien joué, Emily. Oui. Bonjour, madame la sœur d'Emily. Oh, tu es gâtée, dis donc, beau mec, belle voix. Ça suffit. Enfin bref, je devrais arriver chez papa et maman ce soir. Tout le monde a hâte de te retrouver. Oui. Et pour les contractions? Ne t'en fais pas, je vais bien le retenir en t'attendant. Je veux absolument que tu sois là. Oui, je serai là, promis. Elle y sera. Emily, un amoureux. Je vais raccrocher maintenant, ne me fais pas regretter de venir. Je ne sais pas comment vous faites pour travailler en voiture. Ça me donnerait la nausée. Des années de pratique. En fait, mon ordi portable est connecté à mon téléphone et comme ça, j'accède directement à mes mails professionnels. C'est un peu comme un petit bureau itinérant. Oh, et j'ai fait annuler toutes mes cartes de crédit et j'ai même eu le temps de déclarer la perte de mon portefeuille aux objets trouvés de l'aéroport. Alors... Dites... Vous n'avez pas chaud, parce que moi j'étouffe. Attendez, vous êtes sérieux? J'ai mon manteau tellement je suis gelée. Vous partez toujours au quart de tour, vous. Très drôle, oui. Heureusement qu'on ne sort pas ensemble, parce qu'on n'est pas du tout compatibles. Donc vous avez envisagé... l'idée qu'on puisse sortir ensemble? Non. Dans vos rêves. D'accord. Coupons la poire en deux. Je baisse le chauffage et... en échange... je vous donne mon écharpe. Vendu? Vendu. Oh, c'est tellement doux. Je sais pas si vous la reverrez. Non. Ah, on y est. Il faut que vous voyez ça. Je suis venu ici des milliers de fois, honnêtement. Et
J'adore toujours autant cette vue. C'est magnifique. Avant, je passais devant sans même y faire attention. Oui, c'est vrai. C'est à couper le souffle. Je veux dire, je fais toujours en sorte d'arriver à destination le plus vite possible. Je crois que j'ai jamais pris le temps de m'arrêter et de profiter de la vue. Alors, vous manquez quelque chose. Parfois, il faut savoir apprécier les choses simples. C'est splendide. Merci. Vraiment. On fait une photo ensemble, histoire de d'immortaliser le moment. Parce qu'après tout, la compagnie compte bien plus que l'endroit. Allez. Prête? Allez. À trois, dites... Simon avait raison, Émilie avait tort. Cheese! Ne poussez pas non plus. Faites voir. À conserver. Oui. Encore merci. Ça me fait plaisir. Vraiment. Oh, je sais pas ce que c'était. Ne vous excusez pas. Je connais un endroit plus loin où ils servent un excellent petit-déj. On peut y aller? Super. Like Christmas to me. Du café? Une table pour deux? Prenez place où vous voulez. Je sais bien que ça a l'air d'un restaurant routier banal, mais leur cuisine est tellement bonne. Les produits qu'ils servent viennent pour la plupart des fermes des alentours. Je pouvais pas rêver mieux. Ouh, parfait. Du café? Ah, avec plaisir. Oui. Merci. Mais je vous en prie. Vous avez choisi? Oui, le menu spécial fête, s'il vous plaît. Oh, très bon choix. Foie de lutin. Merci. Et vous, madame? Oh, il y a tellement de choix. D'habitude, je ne prends que du yaourt et des fruits, mais que me conseillez-vous? Nous faisons de très bons sandwichs gourmands. Des œufs pochés et des saucisses grillées avec des poivrons, des oignons et une fine couche de fromage fondu avec du pain au levain. Ça a l'air délicieux. Je prends ça. Oh, c'est possible de faire quelques changements? Oui. Tout d'abord, ce serait super si vous ne pouviez mettre que le blanc d'œuf. Et je n'aime pas trop les poivrons et les oignons, alors mettez-moi plutôt une tranche d'avocat. Et est-ce que je pourrais avoir de la dinde au lieu du porc? Et si vous pouviez servir tout ça dans un croissant au lieu du pain au levain, ce serait vraiment top. Oui, ce serait parfait. Vous avez un nouveau sandwich à la carte, apparemment. Oh, et Stacy, c'est ça? Est-ce que vos frites sont faites maison? Non, parce que je n'aime pas du tout les surgelés, je n'aime que les frites faites maison. C'est mon péché mignon. Mais attention, je les veux bien chaudes et croustillantes. Alors, vous voulez bien faire en sorte de me les apporter bien brûlantes? Merci. Ah, oh, mais oui, aucun souci. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'adore les frites. Enfin, une femme qui a les mêmes goûts que moi. Ouais. Dites-moi que vous aimez le sport. Et je vous épouse sur le champ. Non, que les frites. J'arrive pas à croire que vous adorez les comédies romantiques. Je suis pas fan de votre film préféré, mais j'admets que... c'est prometteur. Eh oui, que voulez-vous? Je suis un grand romantique, il paraît. Sérieusement? Oui. Vous? Eh bien... je suis sorti avec des femmes qui cherchaient un homme sensible, mais quand on l'est, ça ne les intéresse plus. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je crois que vous m'avez surprise. Dans le bon sens. Désolée. Le travail, c'est ça? Oui, ça se voit. Vous froncez les sourcils quand c'est pour le travail, je trouve ça mignon. C'est vrai? Oui, j'imagine que c'est plutôt logique en fin de compte. J'ai été tellement occupée pendant l'année que j'ai manqué beaucoup de choses avec ma famille. Alors, c'était l'occasion de me faire pardonner. Du café? Oui, merci. Ouais. Merci, nous avons apprécié votre visite. Je vous laisse l'addition. C'est moi qui invite. Alors,
Et vous comptez payer comment, au juste? En faisant la plonge? Ne vous en faites pas, je mets ça sur votre ardoise. D'accord. Et voilà, gardez la monnaie. Encore merci. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez de la chance d'avoir un mari comme ça. Ne le laissez pas filer. Joyeuse fête. Joyeux Noël. Mais comment ai-je fait pour me dégoter un mari si gentil? Disons par la force des choses, je crois, mais je suis pas sûre. Oui. Vous avez l'air d'avoir cet effet sur les gens que vous rencontrez. Moi, je suis un peu plus... Je suis quelqu'un d'un peu plus pragmatique. Plus terre à terre. Eh ben, pour moi, en fait, chaque jour offre de nouvelles possibilités. Tous les jours, on croise un nombre incalculable de gens. Dans la rue, dans les cafés, dans l'ascenseur. On sait jamais vraiment sur qui on tombera, si ça changera nos vies. Et j'aime cette idée. Par exemple, nous. Vous voyez ? On y va. On y va. Donc, prochain arrêt, chez vous. Oui. En tout cas, ce petit déjeuner était délicieux. Ouais, leurs frites. Oui, complètement. Ces frites étaient juste divines, voilà. Et puis, le beurre clarifié, honnêtement, fallait y penser. Ouais. Un délice. Oh, au fait, je dois vous avouer quelque chose, il me semble. Je suis complètement dingue des chants de Noël, ne me jugez pas. Vous? Oui. J'adore les chants de Noël, moi aussi. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Oh, je sais pas, je crois que j'étais un peu gênée. J'avais peur de ce que vous diriez. Surtout que j'ai pas été franchement d'humeur festive jusqu'ici. Oh, arrêtez. J'aurais plutôt tendance à me méfier des gens qui n'aiment pas ça. Mais d'accord, mais qu'est-ce qui va pas chez eux? Ok, d'accord. Okay. C'était quoi? Je crois que... qu'un des pneus vient de crever. Je vais m'arrêter. Non, pas ça. Alors, ça donne quoi? Mauvaise nouvelle. C'est un pneu crevé. Non, c'est pas vrai. Dites-moi que vous avez le contrat de location. Le numéro d'un dépanneur doit être inscrit dessus. Bon, ouvrez le coffre. Quoi? Ouvrez le coffre. Vous faites quoi? Je sais pas, à votre avis? Vous savez faire ça? Pas vous? Je vois. Mon père m'a appris à le faire parce qu'il ne voulait pas que je me retrouve un jour coincée. Bon, vous voulez bien desserrer les écrous, par contre? Comment vous dites? Vous êtes sérieux? Pour mettre une roue de secours, il faut d'abord enlever le pneu à plat et pour ça, il faut desserrer les écrous. J'adore votre façon de dire écrou. Mais non, attendez. Alors, quand vous les desserrez, vous devez faire attention à bien tourner dans le bon sens. Voilà. Comme ça. Allez, à vous. Voilà. C'est bon, ça. Vous en faites pas. D'accord. Je ne savais pas que les dépanneurs étaient aussi pédagogues, mais ça me plaît bien. Très drôle. Prends l'appel, décroche, allez. Oh, j'ai du réseau. D'accord, il y a une gare à une trentaine de kilomètres d'ici et c'est faisable. Je vais appeler pour voir si quelqu'un peut venir récupérer la voiture directement à la gare. Bon, je vais au guichet. Je vais lui acheter des billets. Super. Bon. Bonjour, je voudrais acheter des billets. Papa? Salut, Émilie. Est-ce que tout va bien?
Ta sœur dit que tu es avec un type bizarre. Mais non, je ne risque rien, crois-moi, il sait même pas changer une roue. Oui, parfait, c'est super. Eh bien, il ne peut pas être pire que ton dernier petit ami. Très drôle. Et tu vas pouvoir être là ce soir ? Oh, oui, j'espère. Enfin, on a eu un petit souci avec la voiture, mais on va finir la route en train. J'ai deux nouvelles. Une bonne et une mauvaise. Papa, je dois y aller, mais je te tiens au courant dès que j'en sais un peu plus sur notre heure d'arrivée. Il me faut une bonne nouvelle, alors je vous écoute. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a bien un train pour nous ramener chez nous à temps, pour fêter Noël. Ah, mais c'est super! Et la mauvaise, du coup? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne passe qu'une fois par jour. Et on vient de le rater. Ah, bien sûr. On fait quoi? On tente le coup en voiture, alors? Qui aurait cru qu'ils enlèveraient la voiture aussi vite, franchement? On est coincé ici. Et il faut croire, oui. Mm. Jusqu'à demain. Mais regardez, il y a un motel là, juste de l'autre côté de la rue. Si on se fait une bonne nuit de sommeil et qu'on se lève tôt demain pour le train, vous ne louperez même pas le repas de Noël. Écoutez, j'apprécie votre enthousiasme, vraiment, je vous jure, mais j'étais censée me rattraper cette année et j'avais prévu d'arriver tôt et de passer du bon temps avec ma famille, mais comme toujours, j'arriverai à la dernière de chez dernière minute et encore, ça c'est si. Si tout se passe bien, parce que bizarrement, j'en doute un peu vu la chance qu'on a. Je pensais vraiment être un commercial plus vendeur. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est que le guichetier m'a donné un bon pour une nuit à l'hôtel. Ouais, youpi! Hourra! J'en fais trop. Oui, un peu trop. Allez, on y va. On y va. Alors... Où c'est? Oh, c'est là. Je crois. Oui, oui. C'est là. Ah, désolé. Oh, pardon. C'est sympa, voilà. En tout cas. Bon. Dites-vous qu'à cette heure-là, demain, vous serez chez vous. Oui, ne me portez pas malheur. Et avec un peu de chance, ce sera le dernier obstacle sur la route. On a eu notre dose, je pense. Oui, j'espère. Bon, eh bien, on se voit demain, alors. Oui, ouais. On se voit demain. Well, the stars are shining, and the moon is bright, and the snow lies deep on the hills tonight, and your favorite songs are Simon, vous êtes là? Simon? Simon? Salut! Tiens, salut! Jolie écharpe. Oh, oui,
Désolée, j'ai oublié de... Vous voulez que je vous la rende? Ah non, non, non. Gardez-la plutôt. Vous avez souvent froid. Oui. Ilva, il vous fallait quelque chose? Ou je vous manquais? Quoi? Non, en fait, je voulais juste vous... Vous demandez à quelle heure partait le train. Vous me l'avez dit, je sais, mais j'ai oublié. Je crois que c'est vers 10h. Cool. Oui. Cool. C'est parce qu'il ne passe qu'une seule fois par jour, alors je ne voudrais pas risquer de le rater à nouveau. Et c'est quoi, ce gobelet? Oh, ça, je voulais vous proposer un chocolat. Oh. Merci. Alors, vous étiez où? Oh, en fait, j'étais sur le point de venir frapper à votre porte. Pourquoi? Je vous manquais. Eh bien, à vrai dire, je me demandais si vous aviez envie d'aller chercher à manger dans la jolie rue principale qu'on a vue en venant parce que je meurs de faim. Le distributeur n'est pas terrible et je me demandais si vous aviez faim aussi. J'ai faim, oui. Et puis, je sais pas vous, mais je trouve qu'on a passé suffisamment de temps enfermé entre la voiture et la chambre. Ça nous fera du bien de prendre un peu l'air. Vous avez raison. Excellente idée. Oui. Alors, j'arrive, je vais juste chercher ma veste. D'accord. Je ne me souviens même pas la dernière fois que j'ai fait ça. Ça fait du bien. De quoi, marcher? Oui. Enfin, non, non, je marche. Je voulais dire, aller me promener quelque part sans rien avoir à faire. J'ai été tellement occupée que j'en ai presque oublié Noël. Je passe mon temps à courir d'aéroport en hôtel et d'hôtel en bureau, alors qu'ici... Ici, c'est comme si j'étais pas obligée de tout avoir sous contrôle, vous savez. C'est agréable. Disons que c'est un bon moyen de décompresser avant de voir votre famille. Oui, voilà. Enfin, être avec ma famille me rappelle... À quel point la vie était simple avant. Quand j'étais petite, il suffisait d'une bataille de boules de neige pour me rendre heureuse. Non, non, s'il vous plaît, ça ira, je vous assure. Ça va, je vais pas le faire, vous pouvez vous détendre. En plus, vous faisiez l'ange dans la neige la première fois que je vous ai vue, et c'était tout sauf gracieux. Oui, très drôle. Vous avez fini votre chocolat chaud? Oui. Je vous débarrasse. Je reviens. Je vous attends. Qu'est-ce que vous cachez? Choisissez une main. La main gauche. Et... Ta-ta-ta! Un bon vin blanc. Génial. Oui. Et dans l'autre main? Oh, juste des petits trucs à grignoter. Le vendeur m'a dit que ça se marierait très bien avec le vin. Tout est fermé à cause des fêtes, mais on devrait se régaler. Oh, et... Encore une petite chose. Pour vous imprégner de l'esprit de Noël. Oui. Je peux? Oui, allez-y. Et voilà. Oh. J'ai déjà manqué tellement de choses. Alors, ça m'aide un peu. Attendez, voilà. Bon, on y va? Oui. Et au fait, qu'est-ce que vous avez dans la main? Ce serait pas une... Je voulais juste voir si j'avais toujours le coup de main. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un patio à l'hôtel. On pourrait peut-être y faire notre repas de Noël. Vous aviez raison. Il y a bien un patio. Oui. Je ne l'ai pas vu tout de suite non plus. Et ce n'est pas le Ritz, mais ça suffira. Non, en fait, c'est parfait. C'est une si belle soirée. Milady. Oh. Puis-je vous offrir une bouteille de notre meilleur vin italien? Mac, oui. Émilie, c'était censé être de l'italien, ça, parce que ça veut absolument rien dire. Arrêtez, je fais de mon mieux. C'est vrai, pardon, je me moque. Vous ne voulez pas humer la capsule? J'y crois pas, c'est ma réplique préférée du Muppet Movie. Et le cache-œil de Steve Martin, oh, un classique. J'adore ce film. Oui.
D'accord, vous avez peut-être bon goût en matière de film. Oh, ça ne fait rien. Oh, je suis sincèrement désolé. C'est sûrement parce que, sans mon cache-œil, ma perception est un peu faussée. Non, c'est rien. Je vais seulement aller nettoyer ça pour éviter que ça ne tâche. Oui. Vous pouvez passer par ma chambre, si vous voulez. D'accord, merci. De rien. Eh ben, bien joué, Simon. Super. Waouh, vous m'avez sorti le grand jeu, à ce que je vois. Oui, je me suis dit que comme c'était notre dernier soir ensemble, il fallait marquer le coup. Oui, espérons que ce soit bien le dernier, oui. Oh, c'est agréable. Oh non, je ne voulais pas dire ça. Je passe un très bon moment avec vous. Le truc, c'est que j'aimerais bien rentrer maintenant. Vous voyez? Ça devient trop facile, là. Je vous fais marcher, c'est tout. Santé. Santé. Only you and I. Then it's party time for you know who. And it's Christmas. Just for two. When at last we're all alone. Celebrating on our. The firelight glow. We won't waste the mistletoe. Oui, on devrait aller à Paris. Allez. Those dishes in the sink. Pour ourselves a special drink. And we'll raise a toast to me. Ah, mince, dommage. Quoi? Ça va? Oui, c'est... Mon ami ne pourra pas venir cette année. Il rencontre la famille de sa petite amie. Je suis désolée. Il va manquer le super week-end entre potes. Oui, tous mes amis me quittent un par un. Enfin bon, je suis content pour lui, mais à ce rythme-là, je me retrouverai bientôt tout seul. Oui, c'est un grand pas de rencontrer la famille. Enfin, ma famille cuisine toujours les garçons que je ramène chez nous. Mais je dois avouer que je ne suis pas très intuitive en ce qui concerne les hommes. Ils ont toujours l'air parfaits sur le papier, mais après, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas... Excusez-moi. Je suis épuisé. Oh, il est si tard que ça? Oh, déjà, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait des heures qu'on est là, mais c'était sympa, ce petit dîner. Oui, je trouve aussi. C'était la meilleure manière de passer la soirée. Notre cauchemar touche bientôt à sa fin. Cauchemar. Merci, ça fait plaisir. Et moi qui croyais qu'on commençait à s'amuser. Oh non, je voulais pas dire ça. Je disais ça par rapport à... Je vous ai eu. Alors comme ça, on charrie, mais on n'aime pas se faire charrier. Bon, eh bien. Sur ce, je vais y aller. Et je ne pensais pas réellement ce que j'ai dit. Voilà, ignorez-moi. Je ne crois pas en être capable. On se voit demain matin. D'accord. Bonne nuit. Salut.
Alors, tu seras à la maison demain? Il faut qu'on finisse de décorer les sapins, mais on voulait pas le faire sans toi. Oh, je sais, je fais de mon mieux, crois-moi. On prend le train demain matin, donc on devrait être là vers... Je sais pas, dans l'après-midi, je pense. Et comment va ton petit ami? Ce n'est pas mon petit ami, et puis d'ailleurs, c'est juste un gars qui est génial, je dois l'avouer. Je croyais que tu le trouvais énervant. Il l'est. Enfin, il l'était. J'en sais rien. Je crois qu'il m'arrive de juger les gens un peu trop rapidement, parfois. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de ma sœur? Arrête, tu veux. Plus je passe de temps avec lui, et plus je comprends qui il est. Oh, attends, il y a quelqu'un qui veut te parler, je crois. Coucou, Émilie. Oui, c'est pas mal. On a hâte que tu arrives à la maison. Salut, maman. Moi aussi. Je pense qu'on devrait arriver en milieu d'après-midi demain. Oh ? Oh ! Tu nous amènes le garçon avec qui tu voyages ? Non, non. Je ne disais pas « on » dans ce sens-là. Je voulais dire « on » comme dans « on voyage ensemble », mais pas de... Oui. T'as qu'à venir avec lui ? Il ne peut pas être pire que tous ceux que tu nous as ramenés. Oui, je n'ai pas toujours choisi des champions, maman. Je le sais. Des champions ? Ils sont même pas sur le podium. D'accord. Oups. Oh non, je crois qu'il y a un souci avec le réseau. Je t'entends très mal, maman. Tu es toujours là? Allô? Allô? Très drôle, Émilie. Je plaisantais. Je t'aime, ma puce. Moi aussi, je t'aime. À demain. Salut! À demain! À demain. Salut! Comme aujourd'hui, c'est la veille de Noël, j'ai un cadeau pour vous. Oh. 2 billets retour. Oh, oui. C'est dingue, mais même après 2 aéroports, mm-hmm. 2 hôtels et 1 voiture de loc, oui. On est toujours à des centaines de kilomètres de chez vous, mais vous arriverez à bon port à temps. Et dire que je commençais à croire qu'on n'y arriverait jamais. À l'attention de tous les voyageurs sur le quai numéro 2, le train à l'approche sera retardé. Nous vous communiquerons une nouvelle heure de départ dans les plus brefs délais. Je savais que c'était trop beau et dire que je croyais qu'on entamait la partie facile. Ça va, ce n'est qu'un léger retard. Ce n'est pas la fin du monde. Ça arrive. Ah, non, 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 non! Ah, attendez, ne bougez pas. C'est vrai. Ah, rien de cassé? Non, non, ça va, merci. Il vous faudrait un sac. Vous savez quoi? Ne bougez pas, je reviens dans une seconde. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais gardez-le bien. Oh, nous ne sommes pas... Merci. Tenez, monsieur. Oh, merci beaucoup, vous me sauvez. Mettez ça dedans. Ah, les petits chanceux. Oui. Votre attention, s'il vous plaît. Nous informons les voyageurs sur le quai numéro 2 que leur train est arrêté à la gare précédente. Il semblerait qu'il y ait eu un problème technique. Nous faisons notre possible, mais nous ne savons pas quand le train pourra repartir. Est-ce que c'est vous ou moi qui porte malheur comme ça? Je suis quasi sûr que c'est vous, ça ne m'arrive jamais quand je voyage seul. Oui, c'est ça. Moi, je crois plutôt que c'est vous. Oh, attendez. Je vous aide. Voilà. On dirait que votre... côté chevalier servant est en train de refaire surface et c'est contagieux apparemment. Merci. Les gens courent un peu partout à cette période de l'année. Je me suis dit qu'il avait besoin d'aide. Oui. Vous aimez aider, pas vrai? Ce n'est pas quelque chose de conscient, c'est ce que ferait n'importe qui à ma place, non? En fait, je pense que la plupart des gens ne le feraient pas, justement. Eh bien, je suis un gentil lutin de Noël, alors. Vous n'avez qu'à vous asseoir ici et
Je vais me mettre un peu plus loin. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ensemble ? Non. Enfin, on voyage ensemble, mais on n'est pas ensemble, ensemble. C'est une longue histoire. En tout cas, il est plutôt mignon. Vous voulez vous asseoir avec lui ? Parce que si vous voulez pas, moi je veux bien. Oh, non, 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 je ne vais pas vous faire bouger, mais merci. En fait, vous savez quoi ? Je veux bien, ce serait gentil. D'accord. Joyeux Noël à vous. À vous aussi, merci. Madame voudrait s'asseoir à côté de vous. Ah oui ? Oui. D'accord, j'y vais. Excusez-moi, madame, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Très drôle. Venez. Vous savez, c'est très bizarre, mais la dame assise là m'a demandé qu'on échange de place. Apparemment, vous ronflez et elle a dit qu'elle ne pourrait pas supporter ça pendant 5 heures. Je me suis dit que comme on avait commencé ensemble, on devait finir ensemble. Asseyez-vous. C'était un sacré périple, pas vrai ? C'est sûr. J'ai du mal à croire que c'est presque fini. Et même si c'est vrai que ce voyage aura été un vrai parcours du combattant, j'avoue qu'au fond, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Ça aurait été un voyage bien plus drôle que prévu, disons. Vous avez dû le remarquer, il m'arrive d'être psychorigide et je n'aime pas vraiment sentir que je manque de contrôle sur la situation. Je n'aurais jamais deviné. C'est pas drôle. Eh bien, je dois dire que même avec tous ces contretemps, j'ai beaucoup aimé voyager avec vous. Qu'est-ce que vous diriez de mettre un peu d'ambiance dans ce bus ? Comment ça ? Le premier jour de Noël, j'ai reçu de mon ami un moineau tout en haut du pommier. Le deux... Et ne me laissez pas tout seul, allez. Deuxième jour de Noël, j'ai reçu de mon ami de caramel et un moineau tout en haut du pommier. Le troisième jour de Noël, j'ai reçu de mon ami trois petits... Waouh, il ne nous reste déjà plus qu'une heure. C'est passé vite. Oui, et ça s'est passé sans aucun problème en plus. Enfin, mis à part le moment où vous avez un peu chanté faux, mais bon. Oh, mais c'est pas vrai. Vous voulez qu'on parle de votre voix toute chevrotante quand vous montez dans les aigus? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. On m'a toujours dit que j'avais une voix d'ange. Oh. Vous avez hâte de voir vos amis? Vous avez prévu plein de trucs d'hommes. Oui, j'ai plutôt hâte. Et d'ailleurs... Vous savez, si j'étais vous, j'éviterais le centre-ville ce week-end. Question de survie. Oh, j'ai... Oui. Et vous, votre famille vient vous prendre à la gare ? Non, en fait, je comptais appeler un taxi. Je peux peut-être vous déposer ? Non, non, non. Je vais me débrouiller. Sûr, ça ne pose pas de problème. Oui, sire, ça va aller. Et puis, je parie que vous en avez marre de me supporter. Le travail ? Oui. C'est un mail de mon patron. La veille de Noël ? Oui, je crois qu'il s'en sert comme excuse. Joyeux Noël, Émilie. Oh, et au fait, si vous avez le temps, est-ce qu'il serait possible de m'envoyer la proposition de réduction d'effectifs pour le client ? Réduction d'effectifs ? Comment ça ? Je suis conseillère en management. Je vous l'ai déjà dit. Oui, mais vous aviez parlé de stratégie et d'efficacité. C'est ça. En fait, on propose toutes sortes de solutions pour maintenir les entreprises à flot, et au final, c'est ce qui crée l'emploi sur le long terme. Quoi ? Rien. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez changé d'un coup ? Votre travail, c'est de mettre les gens à la porte. Eh bien, non ! Je ne mets personne à la porte ! On ne recommande le licenciement qu'en dernier recours. Donc, vous vous en fichez ? Tant pis, ce ne sont que des roues de secours, après tout. Bien sûr que non ! Enfin, je déteste en passer par là, mais... Mais si l'entreprise ne marche pas correctement, eh bien, elle ne peut employer personne, vous voyez ? Écoutez, je sais que c'est horrible, mais ça n'a rien de personnel. Vous savez, c'est peut-être ça votre problème, Émilie.
ça n'a jamais rien de personnel pour vous. Imaginez que ce soit un membre de votre famille. C'est de la vie de personne dont on parle. Simon, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas là-dessus. Il faut voir plus loin que ça. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Ça n'a aucune importance pour vous. Simon, écoutez, on s'est plutôt bien amusés ensemble, non? Enfin, bien sûr, sans parler des vols annulés, et des trains retardés et des pneus crevés. C'était super. C'est juste... Enfin, je croyais... Je vous croyais différente. Je croyais que vous aimiez votre famille tout comme les personnes autour de vous. Et peut-être même devant vous. Simon, je suis vraiment désolée, d'accord? Parce que, pour ce que ça vaut, je vous trouve incroyable. Et je sais que je n'ai pas été très tendre avec vous au début, mais... j'ai fini par me rendre compte que vous étiez quelqu'un d'exceptionnel. Il est temps de se quitter. Oui. Après une sacrée aventure. Oui, ouais. Ça c'est sûr. Merci beaucoup. Sincèrement. Vous avez été tellement gentil et aimable et serviable. Honnêtement, si vous n'aviez pas été là, je pense que je n'y serais pas arrivée. Ou pas à temps. Eh bien, c'était plus sympa d'être avec vous. Pas au début, je dois l'avouer, mais j'ai fini par beaucoup vous apprécier. Vous m'appréciez beaucoup. Oui, c'est juste que... j'aurais préféré ne pas être au courant de tout. Oui. Simon, j'espère simplement que vous ne me définissez pas par rapport à mon travail. Vous savez, j'ai pas envie qu'on se quitte là-dessus. Je commençais à penser que peut-être... Oui, j'y ai pensé moi aussi, mais... vous et moi, on est vraiment trop différents, non? Oui. Oui, trop différents. Oh, Simon, sachez juste que je suis vraiment désolée. Est-ce qu'on pourrait faire comme si les 10 dernières minutes n'avaient jamais existé? J'aurais aimé. J'aurais vraiment aimé. Simon, vous êtes quelqu'un de bien. Et je suis ravie de vous avoir rencontré. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Mais en fait, je peux attendre vos amis avec vous, si vous voulez. Non, 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 ça ira. Vous avez déjà manqué 2 jours avec votre famille. Non, mais ça ne me dérange pas. Émilie, vous devriez y aller. D'accord. Oui. Émilie? Oui? J'ai oublié quelque chose. Mon écharpe. Oh, oui. Oui, désolée, j'y pensais plus. Je vous la rends, voilà. Merci. Et quand j'aurai un moment pour faire les comptes, je vous enverrai la note. Oui, et je ne manquerai pas de vous faire un virement aussitôt. Alors... il vous faut mon numéro? Non, je l'ai déjà. Vous savez, le premier jour. Donc je crois qu'on est bon. Oui, bien sûr. Je crois, oui. Bon. People in the streets singing Christmas songs. Kids are writing letters. Dressed as Santa Claus. I keep waiting. Magic in the air, 'cause this used to be my favorite season of the year, but the truth.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, pour faire court, je suis conseillère et je recommande parfois de renvoyer des gens. Ce n'est pas exactement le genre de carrière qui fait rêver un homme doux comme Simon. Ce n'est pas juste. Oui, bon. Le renvoi non plus. J'ai même dit que ce n'était pas personnel, ce que je peux être bête. Et tu ne crois pas qu'il pourrait passer outre? J'ai l'impression que ça collait vraiment entre vous deux, non? C'est vrai. Enfin, jusqu'à... Tu as son numéro? Tu peux peut-être l'appeler plus tard pour apaiser les choses. C'est Émilie? Elle est en chemin? Elle amène ce garçon? Non, je t'expliquerai. Oh. Il a le mien. Enfin, juste pour me dire combien je lui dois. Oui, mais Émilie, tu es bien plus que ce travail. Et ce mec aussi le sait, j'en suis sûre. Donc? Quoi? Donc? Quoi, dis? Retourne-y! Et dis-lui enfin ce que tu ressens. Quoi? Non, enfin, je suis presque arrivée, je ne vais pas... Enfin, je ne vais pas repartir. J'ai déjà perdu assez de temps comme ça avec vous. Je ne vais pas... Non, Grace. Émilie, on sera toujours là dans une heure. Si tu savais, j'avais tellement peur de manquer le jour le plus important de ta vie. Je m'en serais voulu. Je sais à quel point tu m'aimes. Papa et maman le savent aussi. Sans oublier le bébé. Mais tu as de réels sentiments pour Simon. Tu n'as pas le choix, il faut que tu lui dises tout. J'ai peur. Émilie, lance-toi! Arrête de te cacher derrière cette image de conseillère rébarbative toujours devant son portable ou son ordinateur et montre-lui qui tu es. La vraie toi, celle qui aime prendre soin des autres. Oui, non, je ne crois pas que je puisse faire ça. Non, je peux pas, vraiment pas. Fais-le. 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 Excusez-moi, vous pourriez me ramener à la gare? Il doit déjà être parti. Oh, c'est débile. Simon! Émilie! Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez oublié quelque chose? On peut dire ça, oui. Attendez. Restez là, j'arrive. Une seconde. Simon! Qu'est-ce que vous faites encore là? Je croyais... Où sont vos amis? Ils ne viendront pas. Quoi? Mais comment ça? En vérité, ils ont tous une famille maintenant. Et ils font chacun les fêtes de leur côté. Mais vous aviez dit que... Je sais. C'est juste, je voulais pas... que vous ayez pitié de moi. Vous voyez? J'étais censé voir mon ami Paul, mais... C'est lui qui m'a envoyé le message pendant notre soirée et... Et donc maintenant, je me retrouve effectivement tout seul. Alors quoi, vous comptiez passer Noël seul dans une ville que vous ne connaissez pas, c'est bien ça? Ça ne fait rien, c'est juste pour une nuit. Demain, je trouverai une collecte de jouets et je leur donnerai ce que j'ai apporté. Et donc, vous êtes en fait le Père Noël, d'où les grosses valises, c'est ça? Un peu, mais disons, à moindre échelle. Avec mes amis, on choisit une ville différente chaque année et on fait ce qu'on peut. Simon... Je suis désolée. Désolée pour tout. Je sais que c'est horrible de perdre un emploi et je déteste que mon travail puisse nuire à d'autres. Je sais et je tiens moi aussi à m'excuser. J'aurais jamais dû vous reprocher tout ça, c'était pas juste. Alors, ça vous dit de fêter Noël chez moi en famille? C'est pas très gentil ça. Simon, Simon, vous m'avez ramené chez moi. Et puis, après tout ce qu'on a traversé à deux, vous êtes presque de la famille. Ah. Je ne veux pas m'imposer, je sais à quel point vous aimez passer du temps avec votre famille, alors... Non, non, je suis sérieuse, d'accord? Les fêtes doivent célébrer les rencontres et les personnes présentes dans votre vie que vous les connaissiez depuis 30 heures ou 30 ans. C'est vous qui m'avez appris ça. Et je n'arrive pas à croire que j'ai mis tant de temps pour le voir, mais...
C'est vous, mon cadeau de Noël cette année. Vous êtes sûr que vos parents ne verront pas d'inconvénient à recevoir un parfait inconnu? J'en suis sûre. Croyez-moi, vous serez une bonne surprise comparée aux autres petits amis que j'ai ramenés les années précédentes. Petits amis? Eh bien, je crois que, dans ce cas de figure, ça ferait de moi votre... vous savez? Votre petit ami. Oui. Et au fait, ne croyez pas tout ce qu'ils racontent. Ils disent ça pour vrai. Fameux. Comment ça? Il est possible que je t'ai mentionné dans nos mésaventures. Monsieur Nichols. Simon, bienvenue. Enchanté. Oh, tu es magnifique. Tu as pu. Bonjour, Simon. Félicitations. Merci. Oh, chérie. Oh. Salut. Oh, il est bien plus beau que sur la photo que tu as envoyée à Grace. D'accord. Maman, si tu pouvais juste... Merci. Quoi? Bienvenue. Tu as pris une photo de moi? Mon bon profil, j'espère. Oui, c'était le bon, je crois. Oui, merci. De rien. Ah, je suis reconnaissante de recevoir ma famille au complet en cette belle veille de Noël. Amen. Et je suis reconnaissant pour ce délicieux repas. Je suis reconnaissante d'avoir un mari aussi aimant. Merci. Et nous sommes tous les deux reconnaissants d'accueillir ce bébé parmi nous. Nous avons hâte. Et... Je suis reconnaissante d'avoir Simon. Parce que, eh bien, sans lui, je ne serais pas là ce soir. Simon, c'est à vous. Oh non, ça a l'air d'être, vous savez, un rituel de famille, donc... Si vous êtes là, vous êtes de la famille. Eh bien, dans ce cas, je voudrais vous remercier. Alors, merci à tous. Je vous suis très reconnaissante de me laisser passer Noël chez vous. Et puis, merci aussi pour ce repas délicieux et pour l'accueil plus que chaleureux que j'ai reçu. Tout cela compte énormément pour moi. Et j'estime avoir beaucoup de chance d'être ici. Donc, merci à vous. Santé. 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 Joyeux Noël à Joyeux tous. Noël. Santé. 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 Eh bien, comme je fais partie de la famille et que je n'ai absolument pas mis la main à la pâte pour le dîner, je pense que c'est à moi de faire la vaisselle. Oui, c'est la moindre des choses. Je crois que je l'aime de plus en plus. Attendez de goûter mon tiramisu. Merci, ma puce. Merci. Moi aussi. Quoi de neuf? Bon, d'accord. Coucou. Oh, coucou. Joyeux Noël, Simon. Joyeux Noël, Émilie. Tout se passe bien. Under the